Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Forge Magie. On fait une cape matelassée, on va faire un exo pour son réseau. Ce sera pour un Xelor PVP et idéalement il me faudrait une invocation sur cet item, mais ça ce sera soit si j'ai moins de 3% de réseau ou soit sur des phases ultérieures de tryhard dans 3% invoque. Mais là on va déjà viser 3% sur un G near perf. Donc on a 98 depuis. C'est la première tentative, on va évidemment grid le full perf, mais ça se passe bien pour l'instant. Moins 10, pourquoi? Parce que là, avec une rune de type papode, on a moins 38. Qu'on récupère en plus insane. Donc là j'ai plus 0,1. Et ben c'est juste parfait là. C'est vraiment la première tentative est déjà magnifique. Je vais devoir rover. On va y aller comme ça. Le petit crit, ça met bien. On va mettre également ça. En crit aussi, évidemment. Ça en crit. Est-ce que je la crit celle-là ou pas? Non, pas celle-là. Ok. Moins 12. Alors j'ai 6 potes qui restent. Ok, donc 6 potes, ça pèse 1,5. Hein. On va y aller comme ça. Donc là, du coup, j'ai moins 1,5. Évidemment, j'ai tapé 0,5 parce que je suis un bouffon. Ok, donc on a notre agi qu'on va venir over en vrai. Je vais le faire maintenant. Moins 6. On va récupérer ça sur une rune faux. Qu'on récupère, mais décidément, ça se passe très très bien. J'ai masqué la prospection, on s'en fout. Et les réécrits, je les ai mis à moins 7 et ça bouge plus. Donc voilà, j'ai masqué les deux lignes en bas. Pas ça. Repère. Les dos, moins 4. Moins 15. Il y a beaucoup de crit qui sort, dis donc. La petite rune fuite. Moins 4. Et moins 6. 51 depuis. Il me faudrait 3 de plus. Je peux tenter un crit sur une rune qui pèse 3. Par exemple, une Pafo. Pour gagner une Tenta. Puisque là, on part en Exorez. Pas de crit. Donc, 8 Tenta, repère. C'est parti! 2%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 99 depuis. Alors on va essayer d'aller chercher le perf Vita. Comme on a le perf Sagesse, ça nous fera un full perf. Alors on a plusieurs façons de s'y prendre là. On va plutôt y aller sur de la pas. Ok, j'ai un moins 16. Ça c'est très bien. Je vais remettre une pas. Et voilà, parfait, j'ai un moins 16, et là, il faut juste un petit moins 5 et pas un moins 6. Et je suis good. Yes! Bah, on allait le chercher, on n'a pas du tout perdu de puits, donc là, c'est vraiment... Bon, pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien. On va mettre une rune fuit. Moins 7. Une rage qui crit, évidemment. Je vais monter les dommages. Moins 10. Enfin, c'est vraiment très très facile à faire cet item, c'est très agréable. Ça fait du bien parce que je sors de sessions assez traumatisantes de Forge Magie, donc là ça me régale. Moins 3, j'ai 61, donc 10 Tantarès. Allez, une. Ah bah c'est marrant ça. Évidemment, on a le PA. Bon, bah, invoque du coup. Est-ce qu'on a l'invoque, les amis, là-dessus? On n'a pas d'invoque. 98 depuis. Allez, il me faut un moins 10. Nice.
va mettre ça comme ça. Hop, hop. Moins 9. Je vais over maintenant. Moins 3. Petit réfixe. Qui passe, on récupère le puits, c'est super. Le crit qui met bien. Allez, dommage, dommage. Moins 3. Moins 5. Moins 8. Moins 3. 57-4. J'ai une tenta sagesse. Et 9 tenta repère. Pour ça, on y est. Bon, moi, si ça repasse là-dessus, c'est plié. Hein, fin de l'histoire. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Sur ce, j'ai moins 1 de sagesse. On n'a pas le PA. 99 depuis. Bon, la vita, pas ouf. On va voir comment on peut gérer ça. On va y aller à l'ini, je pense. Moins 6, ça va. Bah, c'est le pire cas de figure, ça. Bon. Oh bah bien sûr. Là maintenant c'est le pire cas de figure. Ok, c'est de la merde. Bon bah écoutez, tant pis. Hein. C'est comme ça. Donc, on va mettre Pacha. Petit dommage. On va over. On va récup. Pas ça. Moins 9. Les repères. Allez, 1, 2... Moins 24. Les dommages. 1, 2. Moins 5. La fuite. Moins 4. Et la petite page. Moins 6. On a 28. C'est pas énorme. Hein. J'ai 4 tentas à repère. Je peux tenter un crit à la réfix pour gagner une tenta. Non. 4 tentas. Bon, là j'ai moins 6. Techniquement, j'ai moins 2. Bon, je pourrais tenter double. Pour faire la chose vraiment dans la théorie, je pourrais tenter deux fois. Enfin, deux succès crit consécutifs, vous voyez. Voilà, bon, là c'est mort. Il me reste 3 tentas. Bon, on a 1% haut. Bah, c'est un beau jet, ça, c'est bien ça. Pas de PA. 98,4 depuis. Allez, le petit crit vita pour commencer. On va go ini. Moins 6. Bon, on se retape un truc de merde. Tant pis, on va devoir faire avec. Bon. J'ai plus 0,2, mais... Pas très intéressant. Mettre une page. On va mettre... Une autre page, moins 2, moins 5, on va mettre une faux. C'est parti. Ouh là là, sagesse qui passe pas, ça fait mal, moins 18. Les dommages, moins 5. Le reste de l'item est clean. La petite pacha, moins 3. 67,6, donc 11 tenta, c'est pas mal là. Allez, une. Deux. 2%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 90 depuis. On va... Pavi. Moins 3. Petite rune faux. Allez, le moins 5, please. Nice. On va go double page, triple en fait, moins 6, petite rune faux, qui passe, nice, le crit rachat, le retrait PA qui passe, la repère qui crit, allez les dommages, moins 25. La fuite.
Moins 12, il me reste 38, soit 6 tentats. J'ai 2 en rab, je peux pas en faire grand chose malheureusement. Je peux tenter du crit. Non, 6 tentats tout pile. Bah c'est bien ça. Bah oui. Allez, next. Ah oui, finalement j'aurais plutôt besoin d'un PO ou d'une invoque en fait après réflexion, donc ça c'est le petit détail, et là bah c'est parti, ravi, moins 10, on va essayer de choper un moins 7 si on y arrive, moins 6 ça va être un peu compliqué. Aïe, c'est pas vraiment ce que je voulais, bon bah on aura test hein. En vrai de vrai, entre nous, ça se fait ou pas? En vrai. Attendez, c'est... Oh putain, j'ai failli mettre une... pas la bonne rune. Bon. Oh putain, ouais, j'ai... j'ai voulu jouer, hein, je me suis fait troll. Bon. Moins 12. Moins 25. Moins 8. Moins 6. 5 tentarez. Évidemment, on a le PA. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? En vrai, je pense que ça part en HDV. Et on va en faire une autre, en fait, hein, à mon avis. Allez, on enchaîne. 97 depuis. Moins 3. On va aller chercher le Père Vita. Ça met bien. Bon, par contre, la sagesse qui régale pas trop, mais... C'est comme ça, malheureusement. Moins 3. On enlève l'over. Moins 3. On enlève l'over. Yes, on récupère. Allez, le retrait PA, peut-être. Moins 5. Non. Hop. Repère. Moins 12. Les dommages. Moins 15. La fuite. 49. 8 en tas. C'est pas très drôle ça. Pas de PA. 94 depuis. On va aller chercher le père Vita à la pod. On récupère pas, dommage. On va faire un petit over ici, moins 3. La rune faux. Petit over par là, moins 2. Ok. Allez, les repères. Ouh là là, ça fait mal. 24, 30. 36, oh la vache. Nos tentats qui s'envolent. Moins 15. Bah c'est marrant ça. Bon, on continue. Bon, là ça va être un peu compliqué. On va y aller comme un bourrin et bien se passer. Regardez, hop, hop, hop. Hop. Pourquoi compter alors qu'on sait très bien qu'on va full crit et tout va bien se passer, regardez. Tac, 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 tac. Easy, on est large. Ah. Ah bah ça c'est pas de chance. Oh bah super.
88 depuis. On va y aller comme ça. Comme ça. Ok, bon, on fait ce qu'on peut, hein. Moins 2. Moins 3. Oh là là, la sagesse qui me défonce. Quand la passa commence à troll, en général, c'est que l'attentat elle est un peu ruinée. Hein. Quarante et un. Ah, il manque un de pi pour gagner une tenta. Je vais tenter le crit. Ou alors je peux check un peu. J'ai pas remonté beaucoup l'historique, mais je pense vraiment pas avoir du rab. Là j'ai eu. 1 de sagesse. Ouais, j'ai eu moins 0,8 là-dessus. Ah, ça c'est du 0 100%. Ok, je peux tenter un crit en vrai. Petite rune faux qui crit là peut-être. Bien sûr! 7 tentats. 7 tentats. Mais pourquoi j'ai 1%? Mais non, mais c'est de la merde ça. Pas de PA. 98 depuis. Bon, la Vita troll un peu. En vrai, je pense que je vais double pavi. J'aurais pu moins 6 pod, mais bon, risqué par rapport au gain potentiel. On va gérer les stats comme ça. Ouh là là, merde. Qu'est-ce qui se passe? Bah, super. Alors ça, c'est assez frustrant, surtout que les PA mettent assez longtemps à tomber. Donc, bon. Moins 5. C'est assez triste. Ok, le crit qui met bien. Moins 10. Moins 12. Une, deux, trois, quatre, cinq, moins 25. Oh là là, terrible. 13 de puits, ben on va pas aller très très loin malheureusement. 1%. On a le PA. Oh, je me suis fait ruiner par la Pacha là, c'est insane. Hein. On va tenter le PO. Est-ce qu'on a le PO les amis? On n'a pas le PO. 95, 2 depuis. On peut aller chercher le full perf. On va y aller comme ça. Là, il me faut un moins 10 qui passe pas. Oh, bah oui. Bon, bah dommage. On va quand même essayer la pote en espérant que ça tape dans la Vita. Ok, je m'en sors pas trop mal. Double exo, let's go. Du coup, j'ai plus 0,1. Non, plus 0,2, pardon. Et j'ai plus 0,1. Ensuite, on va go. La Pacha qui troll un peu moins que la fois d'avant. Ok. Oh, quand les overs commencent à se mélanger, là, ça devient vite compliqué. La petite faux qui tape dedans, c'est parfait. L'appâage. Alors, attendez, parce que du coup. J'ai combien là? J'ai moins 3, plus 1. Et les pods. Ça pèse combien déjà? Un pod? 13. Attendez, 10 pods, c'est 10. Hein. 10 pods, c'est 2,5. Donc 1 pod, c'est 0,25. Donc 6 pods, c'est 1,5, c'est ça? Plus 1,5.
Ça doit être un truc dans le style, hein. Ok, 85 de puits tout pile, parfait. La force. Un peu de force. Parce qu'on n'est jamais assez fort dans la vie. Voilà. Allez, là, pas ça. Oh, dommage. Moins 8, moins 17. Repère, moins 6. Dokri. Dommage, dommage, moins 20. La fuite, moins 4. 38. C'est pas trop mal en vrai. On va mettre 6 runes comme ceci. Let's go. Allez, 1, 2, 2% parce qu'on a le PA. On n'a pas le PA. 99,4 depuis. Bon, la sagesse pas ouf, la vita perf, c'est bien. Moins 9. On va venir... J'ai presque envie de rage. Une tour épaire en vrai. C'est pas dégueu. Le petit crit. Les dommages. Moins 15. Moins 6. Moins 4. 55-4. Ok. C'est parti. 3%. Si on a le PA, ça me va. Moins 2 sagesse, 3%, c'est ok. Est-ce qu'on a le PA sur ce petit jet sympathique? On a le PA. Bon, je suis content. Dommage pour la sagesse, surtout que ça va être pour être joué sur un mode retrait PA, enfin au retrait PA sur un Xalor. Mais c'est fine. Et de toute façon, c'est un item que je vais tryhard de façon itérative, hein, donc ça j'en avais déjà parlé. Avec deux, j'en aurai deux, et à chaque fois je mettrai PO sur le moins beau des deux, et je retryharderai un, etc., etc. Donc au final, je finirai à terme par avoir soit un exo PO, soit un 3% full perf, donc bon... soit un 4% qui est assez facile à faire aussi sur cette cape. Mais bon, ça fait toujours plaisir, voilà, petit jet stylé. Alors, c'est quand même frustrant que l'interface DFM soit toujours buggée, parce que normalement, il y a le petit kiff quand tu passes ton PA, t'as le petit PA, t'as la petite ligne verte, et là, maintenant, on a juste un vieux échec dégueulasse. Ça casse un petit peu, vous voyez, le petit frisson de repasser la ligne perf et juste la petite ligne verte et le... Ça, c'est ils nous ont privé du plus beau plaisir de forger. C'est un bug d'affichage, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Là, elle est passée en succès crit, ça me met échec. Bon, ça casse un petit peu le plaisir, quoi. C'est le meilleur moment du FM qu'on nous le retire comme ça. Ça me fait de la peine, voilà. On sort quand même d'une mise à jour des bugs. C'est pas de chance. Voilà, on va rien dire. Voilà les amis, faites la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.